Bonjour à tous et bienvenue, c'est Galax pour la suite de l'aventure sur Ghost Recon Breakpoint. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous sommes dans la région de Infinity. On doit rejoindre le quartier Antares pour une nouvelle mission dans un endroit totalement secret pour l'instant. Allez, alors attention parce qu'il y a des forces quand même, il y a des hommes dangereux juste à côté, on voit les petits points rouges sur la map. Et donc je me suis pris un petit buggy donc dans le bivouac, voilà, qui m'a permis de me ressourcer juste avant la vidéo. Et franchement, il est plutôt sympa ce petit véhicule. Allez, on va emprunter la petite route jaune qui est juste devant nous. Attention, il y a une voiture qui arrive, on va essayer de faire vite, hein, si possible. Éviter de se faire tirer dessus avant que la mission ne commence. Et donc, ouais, c'est vrai que le jeu est magnifique. Hein. Alors, c'est vrai que les vidéos YouTube ne rendent pas bien, hein, vous le savez très bien. Mais alors, en vrai, le jeu, il est super joli. Hein. Vraiment, surtout sur PC, je pense que sur console, il est propre aussi. Mais alors, sur PC, laisse tomber, c'est une tuerie, là, encore plus jolie, hein, je trouve, que Wildlands. Alors, interroger les civils du quartier commerçant. Attention, je vais me faire repérer direct. Rien ne va plus. En même temps, voilà, j'y vais un petit peu frontal alors que je suis en classe au sniper. Alors, interroger les civils de quartier commerçant dans l'ouest, dans Taras, interroger les civils, d'accord, donc dans trois endroits différents, très très bien. Vous savez quoi? Je me suis vraiment trop approché, hein. J'ai pas réfléchi, on va essayer de se mettre un petit peu sur la colline là-haut. Attends, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et visionner tout ça avec notre drone ainsi que notre sniper, bien évidemment. On va prendre notre temps pour cette nouvelle mission. J'espère que... Ah, il doit y avoir du monde par là, mais oui, regardez. Regardez qui c'est qu'on a en visu. Ah, c'est un I. Intéressant. Ouais, sauf qu'il y a d'autres personnes. Attends, je vais me baisser, on sait jamais. Attends, on va essayer de voir. Il n'y a pas d'ennemis apparemment? Si, je pense qu'il y a des ennemis un peu plus loin. On va commencer par ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça paraît plus logique. Alors déjà, on se met à plat ventre, on balance le drone et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette zone. Alors, phase d'observation, phase de détection d'ennemis. J'entends du monde, j'ai l'impression qu'ils sont tous peut-être dans le bâtiment. Hein. Ok, il y en a un sur le toit. Ah, maintenant ça marque. J'avais eu un bug à la fin de la vidéo précédente, je ne pouvais plus marquer les ennemis, c'était assez étrange. Et j'ai redémarré le jeu et plus aucun souci. Hein. Alors, finalement, il n'y a pas grand monde par là. Hein. Ouais, finalement, il n'y a pas vraiment grand monde. Là, il y a un coffre à récupérer éventuellement. Ouais, apparemment, il y a un drone. Il y a quand même... Il y a quand même quelques soldats, on va devoir se méfier. On va essayer de s'infiltrer, tu vois. Je dis toujours ça, puis j'y arrive jamais. L'infiltration, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Ok, donc faut interroger ce civil. On va essayer vraiment de voir à chaque fois le civil qu'il faut interroger. Alors là, il se trouve qu'il se trouve dans le bâtiment. Ouais, donc faudra fouiller le bâtiment. On abattra hein, le sniper en haut, bien sûr, de celui-ci. Et ensuite, on rentrera simplement. Et le troisième, il est par là. Ok, il y a des i partout, hein, ce qui peut nous dévoiler des bivouacs et autres emplacements d'armes, hein, c'est plutôt intéressant. Ok, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les trois sont bien signalés. On va commencer par tuer le sniper, bien sûr. Attention, retiens ta respiration. Attention, pas d'erreur. Hein. Et ne, surtout, ne bouge pas au dernier moment, merci. Impeccable. Allez, on va y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, hein, il me semble. Hein. Faudra se méfier dans le bâtiment. Attention, une voiture qui arrive. Waouh! Attention, ne pas se faire repérer maintenant, mon ami. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est bon, je suis planqué. Enfin, je suis planqué à moitié quand même. Hein. De Dieu. C'est chaud cacao. Allez, on peut y aller. Par contre, j'ai mon buggy qui est en plein milieu. C'est pas très RP tout ça. Hein. C'est pas cool. Hein. Ouais, on va essayer de s'infiltrer. Il n'y a pas grand monde à l'entrée. Hein. Profitons-en. Ne cours pas tout le temps. Alors, pour info, j'ai plus 20% au niveau de la vigueur. Donc, ça, au moins, on s'attigra. Un peu moins vite. Eh oui. Je suis bête, moi. Oh, la vache, j'ai eu chaud, hein. Alors là, pour le coup, j'ai eu très très chaud. Pourtant, tu les vois, les ennemis en blanc sur le radar, mais non. Moi, faut que j'avance. Tu vois, je suis vraiment un gros bourrin dans l'âme, c'est terrible. Ah, vous me connaissez, hein. Ok, il est où? Il est là. On va l'abattre tranquillement. J'aimerais tellement vous montrer, mesdames et messieurs, mais il n'y a pas grand monde ici, hein. Non mais il n'y a que lui en vrai. Hein. On va pouvoir aller l'interroger direct. Je me le fais et on y va, ok? Allez, on ne tire pas. On arrive tout doucement derrière. Et on se le fait. Salut. Pas de repérage. Allez, on le termine. Putain, c'est violent quand même. Hein. J'avais jamais fait encore celle-là. Ok, très bien. On va prendre le petit silencieux. On va l'interroger direct. Si possible, prendre le coffre hein, vu qu'on est juste à côté. Ouais. Il est là. Ah bah tiens, il y a juste la porte en plus à côté, c'est parfait. Bon, il faut quand même que je tue quelques personnes, hein. C'est ce que j'aime dans le jeu. Y a-t-il quelqu'un par là? Alors, il y a des gens.
Ce ne sont pas des soldats, on est d'accord. Ouais, je pense qu'on peut y aller, moi. Je pense que ça le fait. Allez, on va interroger les civils qui sont présents ici. Alors, trouver le responsable du centre de contrôle des désastres naturels, bah oui. Est-ce que vous pourriez m'aider par hasard? Je cherche le directeur du centre de contrôle des désastres naturels. C'est la vérité. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Par contre, c'est cuté parce que voilà, il n'y a pas vraiment de dialogue. Donc c'est bon pour le premier. Il vit dans une villa, le chemin qui y mène est bordé d'arbres. D'accord, très bien, merci pour l'indice. Et vous remarquez aussi une chose? Alors, est-ce qu'on a toujours les i là-haut? Non, bah j'ai l'impression que maintenant on a les infos, donc on s'en fout. Vous remarquez un truc, c'est que j'ai changé mon t-shirt, hein, j'ai pris un t-shirt rouge, qui est plutôt stylé. Alors attention parce qu'il y a du monde en face. En plus, je ne peux pas traverser la fenêtre. Et je me suis mis également un petit tatouage hein, sur le bras droit. Franchement, je trouve que ça lui va bien. Ça habille bien son corps. Son corps d'Apollon. Alors, je vais rechecker vite fait. Apparemment, il y aurait du monde dans ce bâtiment. Hein. Au pire, on passe à côté du bâtiment. Ah ouais, donc j'ai le mec qui est là. Très bien. J'ai le mec qui est juste ici, mais le mec il est tranquille, il est en train de siroter son petit cocktail. Donc du coup, on va laisser tranquille, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vais essayer de repérer s'il y a un adversaire par là. Ouais, voilà. Un par là. Oula, attention, par contre, faut pas aller jusqu'au bout parce qu'il y a 3 soldats. Hartung. 4 soldats même. Ah ouais, c'est bien protégé au bout. Bon, je pense que j'ai repéré tout le monde là. Ouais. Je pense que c'est pas trop mal. Et le drone complètement cheaté, hein, allez, comme d'habitude. Hein. En même temps, bah, c'est super utile. Hein. C'est pas cheaté, c'est réaliste. Hein. C'est important le drone. Faut savoir bien l'utiliser. Allez, on va essayer de rentrer dans la maison. Je t'avoue que là, j'ai un peu de crainte. Là, je suis planqué. Attends. J'ai un peu de crainte parce que je vois le troupeau juste ici. Je me demande s'il est pas hyper proche en fait. Ah non, il est toujours là. C'est bon. Donc on sait où il est. Pas de soucis. J'ai pas envie de me faire repérer comme un con, donc là c'est bon, j'ai les petits points blancs partout. On va essayer de s'infiltrer gentiment. Oh bah non! Mais c'est pas vrai! Mais faut toujours que je fasse une connerie, mais j'en ai marre! Mais j'en ai marre, les amis! Vraiment! Bon bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Appelle des renforts. Et pourtant, je vous jure que j'essaye, hein! Mais ça veut pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque fois je me fais repérer, le mec je le voyais pas là en fait. Le mec je le voyais pas là du tout. Et les renforts vont débouler. Et maintenant c'est mode Rambo. Ah c'est chiant. C'est toujours pareil, j'arrive pas. Bon bah attends, je vais tuer tout le monde. Comme ça ce sera fait. Et j'essaye pourtant, hein. Vous pouvez pas me dire que je n'essaye pas. Hein. Allez, headshot. Calmez-vous les mecs. Bon ce qu'il y a c'est qu'ils sont pas très nombreux. On va essayer de prendre de la hauteur un petit peu. Donc on y est. Où ça? Derrière? Non, je vois pas qu'il y a un hélicoptère. Ah non c'est un drone. Salut toi. En plus, ça me rapporte de l'XP. C'est pas mal. Allez, du tout ça. Contact, contact ennemi. Ok. Il est mort? Ouais. Ok, putain, il y a plein de monde là. Attendez, on va se manquer un petit peu. Wow, wow, attention. Ah, du coup, ils sont nombreux. À la base, vraiment, ils étaient pas nombreux. Mais là, c'est la fête du slip. Oh là. Ok. Je t'ai vu sur le côté. Attends, calmos muchachos, calmos. Compliqué avec le snipe. Oh merde, j'ai quelqu'un par là. Non, de l'autre côté ça m'embête un petit peu. Par contre tu remarques que je gagne, j'ai l'impression plus de points de compétence quand bah, quand je shoot quoi en fait. C'est ça qui est drôle. Oh merde. Contre toi. Ok, à travers les plantes. Ah du coup il y a plus de monde que si je m'étais pas montré quoi. On perd un temps de malade à chaque fois. Ok là où toi je t'ai vu. Ah! Ah! Saloperie. Saloperie, m'a surpris encore une fois. Il y a des hits partout, génial. Bon, je vous interrogerai après, les filles. Hein. Ne bougez pas. Ne bougez pas, je termine ce que j'ai commencé. Ah, c'est un peu risqué ce que je fais, effectivement. Là-haut, on l'a vu. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis vraiment dans une position compliquée là. Oh là, dur hein. Il est où? Là-haut? Voilà, super. Attention, il en reste un. Hein. Effectivement. On s'en sort. Ah, j'ai l'impression vraiment que ce breakpoint il est plus exigeant, hein. C'est terrible. Hein. Allez, on a récupéré un petit gilet.
Là, il y a un accessoire bleu. Intéressant. Oh là, c'est tellement difficile. Ok, 67, c'est un peu mieux. Tiens, on va l'équiper. Ok. Une veste. Très bien, ça nous met à niveau 64, hein, côté équipement. C'est plutôt pas mal du tout. Je vais récupérer les points scale. Ah non, c'était des bottes de la Navy. Putain, j'ai bien fait, hein. Hop, donne-moi ça. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, franchement. Qu'est-ce qu'on se marre. Je veux jouer vraiment le mode infiltration et après je suis un gros bourrin. Ah, ça m'énerve, putain. Attends, je vais le parler. Vous avez rien à craindre. Alors, est-ce que ça me sert à quelque chose en sachant que... Non, non, attends, je vais d'abord demander à elle. On se connaît pas, mais bonjour. En fait, je pense qu'on peut lui demander à elle ou à d'autres. Le directeur du centre de contrôle des désastres naturels. J'aurais très bien pu demander à... qu'il traînait souvent dans à un autre I, vous je pense. Vous êtes pas son prof de tennis? Est-ce que j'ai une gueule à jouer au tennis? Sans doute pas. Le directeur vit près de la côte. Vous pouvez pas rater sa maison. Il y a une grande piscine et un très beau cours de tennis. Merci. C'est gentil. D'accord, merci pour l'info. Alors, est-ce que je peux... Il y a un petit I. Attends. Il est sûrement à l'étage, le I. On va voir. Non, finalement, il n'y a pas de... Bref, on s'en fout. Ah, mais si. Si, en plus, il est là. Attends. Logiquement, je peux y aller. Ah, mais oui. Ok. Je vais voir ce que je peux trouver. Madame, bonjour. Bonjour. Ah, voilà. Vous auriez peut-être une moyen arme. De me renseigner. Je vous ai tout l'emplacement. Dit, sincèrement. Je vous remercie. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Le SN 9mm. Très bien. Attends, il y a un petit coffre aussi à prendre. Bon, là, tant qu'on y est, tu vois, c'est assez proche, donc je vais vite le prendre. Il peut y avoir un bon équipement à l'intérieur. On sait jamais si on peut faire progresser le niveau d'équipement. Oh, bien, monsieur. Mais oui, c'est mieux. Allez, on va prendre celui-ci. Hop. Très, très bien. Surtout que j'avoue que le sniper que j'avais avant, c'était pas forcément génial, génial. Attends, fais voir au niveau du viseur comment on est là. Bon, on dira le même par contre, hein, je t'avoue. Allez, on va progresser. On va aller au dernier point. Eh ben, et donc, si on met à chaque fois un quart d'heure par mission, il reste des méchants là-haut. Ouais, d'accord. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait du bruit, j'ai envie de te dire, autant y aller, hein. Et bien sûr. Par contre, à mon avis, ils sont pas nombreux, hein. Il va y avoir un ou deux maxi, hein. Je pense, hein. Oula, je vois qu'il y a quelques chutes de FPS. J'avais pas remarqué ça, effectivement. Quelques chutes de FPS sur la capture OBS. Wow. Mais attends, c'est des civils, ça? Je comprends pas. C'est bien des civils? C'est bizarre. Ah, il est là. Il se planque. Il sait que tu l'as, en fait, je pense. Bah, il est plus là. Ah, il me l'affiche plus sur le... C'est trop bizarre. Ouais. C'est trop, trop bizarre. Ah, mais ils sont deux, là, derrière. Mais regardez, ils bug contre le panneau. Mon Dieu. Bon, les gars... Eh oh. Ils sont bêtes, eux. Ils sont ultra bêtes. En fait, ils étaient buggés dans le panneau, tu vois, ils couraient dedans. C'est n'importe quoi. Non, franchement... Là, par contre, c'est là que tu vois la limite de l'IA. Salut. Alors, trouver le responsable du centre de contrôle des désastres naturels, oui. Je cherche le responsable du centre de contrôle des désastres naturels. S'il vous plaît. Est-ce que vous sauriez où je peux le trouver, par hasard ? Il y a des I partout, quoi. Voilà, grosso modo, ce que je me rappelle. Merci pour votre aide. Merci bien. Est-ce qu'on peut trouver autre chose ? Un bivouac, des armes. Ah, mais c'est pareil, en fait, je peux demander ça à tout le monde. Le contrôle des désastres naturels à Good Hope Mountain. D'accord. Il paraît qu'il a passé du temps ici. Qui êtes-vous? Vous travaillez pour Skell? Skell et moi, on a des intérêts communs. Où je peux le trouver, ce directeur? J'en sais trop rien. Il vit dans le sud du quartier Antares, près des résidences Riegel. Essayez peut-être de ce côté. Je vous remercie de m'aider. Ouais, je pense que ça m'aide. Ça m'aide pas du tout parce que j'avais déjà l'info, en fait. C'est ça le délire. Allez, on va récupérer le coffre et après, on va en direction du dernier objectif. Ouais, oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouais, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Oh oui, c'est mieux. J'espère que c'est pas... Non, ça a l'air pas trop mal, ça. Ouais, on passe au niveau 66. Alors, je ne sais pas du tout, les amis, quand on terminera le jeu, mais en tout cas, là, c'est vrai qu'on est assez lent aujourd'hui, j'ai l'impression. Bon, c'est quand même à 400 mètres, il n'y aurait pas un véhicule dans le coin, là? Si, il y a un véhicule, on va le prendre parce que je n'ai pas envie de faire 400 mètres comme ça, hein.
Et puis ça change de prendre un véhicule, une fois de temps en temps. Allez, on prend ça. Il me reste 30 minutes hein, de plus important de vigueur, on va en profiter hein, pour faire une longue vidéo si possible. Donc il reste au moins, comme ça vous en êtes sûr, au moins 30 minutes de vidéo. Ah ouais, je remarque que l'enregistrement, il y a des chutes de framerate. Vous savez quoi les amis? Ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là, on va faire une petite coupure et je repasse sur un autre logiciel, comme ça il n'y aura plus de bug. Voilà, à tout de suite. De retour avec un autre logiciel parce que c'est vrai que OBS, j'ai l'impression, faisait ramer le jeu. Vous deviez avoir quelques freezes. Et ça me dérange beaucoup parce que j'aime bien voilà, quand c'est fluide à au moins 60 images secondes hein, sur YouTube. Hein. Alors, c'est quoi, on va couper un petit peu. Bon, par contre, voilà, sur le rocher, pas tellement. En plus, j'ai bien fait parce qu'il y avait une voiture qui arrivait. Évitons de faire trop de bruit. Hein. Ok, il y aura un autre coffre à récupérer. Un autre coffre. Tu penses que je peux sauter là? Ça m'étonnerait. Hein. C'est un petit peu haut. Après, on sait jamais. Non, on peut pas sauter. C'est ce qui me semblait. Alors, est-ce qu'on passe par l'entrée? T'as le mec qui se fait pas chier, quoi. Ouais, ça aurait été mieux de prendre par derrière. Ah, parce que là, il y a du monde. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est contourner carrément. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Surtout que, voilà, l'icône est à l'arrière. Il y a moins de... Il y a moins de danger. Attends, ce que je fais, j'envoyais le drone, histoire de voir la zone, là. Ouais, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici, mais du coup, ça va. On va juste éliminer cette personne. Et Zubida. Ok, en plus il se retourne. Attention. Attention. Ouais. Élimine-le gentiment. Ok. On peut y aller, je pense. Hein. Les autres sont un peu plus loin. Prends ton pistolet silencieux, on sait jamais. Je crois peut-être bien de déplacer la personne, non? Bon, c'est pas grave. Ah mais zut, je pensais que je pouvais rentrer là. Attends. Ah, il y a une porte ici, heureusement. Oulala. Salut. Vous venez pour me conduire à Mademoiselle Herzog? J'ai été sage, très sage. C'est vous qui dirigez le centre de contrôle des désastres naturels? Je voulais pas partir. C'est Marc qui m'a forcé. Il a dit que j'avais besoin de repos. Marc? C'est lui le responsable du site? Oui, Marc. C'était son idée. Ilsa n'est pas quelqu'un de mauvais. Elle m'a appris à me voir comme je suis réellement. Ça va? Hmm? On va discuter un peu. Qu'est-ce que c'est à propos du bac d'or? Oubliez donc votre petit projet informatique. C'est à propos de vous. De vous dans le futur. De vous dans le présent. Soyons raisonnables. On peut discuter, enfin. Vous n'imaginez pas votre chance. Beaucoup d'hommes ne s'approchent jamais de leur point de rupture. Ils ignorent leurs limites. Et pourquoi un homme devrait connaître ses limites? Je vous dirai tout ce que vous voulez. Pitié. Pitié. Avec juste ce qu'il faut d'argent, n'importe qui peut profiter de la vie moderne. La climatisation. La télévision. Même se faire livrer à domicile. Dites-moi ce que vous voulez! Je veux savoir
si sous cet extérieur flasque se cachent les vestiges d'un homme. Parce que j'ai l'impression de voir un sac de peau blafarde qu'on aurait rempli de merde. Je veux savoir jusqu'où tu vas plier avant de rompre. Je suis désolé qu'elle vous ait fait du mal, mais il faut que je trouve le responsable du site. Il a dit qu'il allait à la salle de conférence faire un discours. Dites à Ilsa que j'ai été coopératif. Restez là. Reposez-vous. Je serai sage. Je serai sage. Ah, il en a bavé le... Eh ben dis donc, il en a bavé le pauvre, j'ai l'impression. Elle a l'air plutôt costaud, elle, hein. Oula. Alors, consultez, vérifiez vos intels sur la page de Karl Chizum pour débloquer de nouvelles informations. Voyons voir. Alors, programme de conférence, consulter, ouais, trouver le responsable du centre de contrôle. On est toujours à cette mission. On va continuer, hein. Il est en pleine allocution dans la salle de conférence Skell, localisation dans le sud-est d'Infinity. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est dans la même région. Du coup, on va pouvoir directement y aller. Allez, on va sortir. Il y a un petit coffre là-bas. Est-ce que je vais le récupérer? Non, je pense pas. Je pense pas. Je vais directement récupérer, par contre, leur hélicoptère. On va en profiter un petit peu. Est-ce que c'est loin? Non, c'est à côté en plus. Nickel. Donc, on y va. Je prends l'hélicoptère. Je pense qu'ils vont m'entendre, hein, par contre, hein, si je leur pique. Mais c'est pas grave. Il faudra revenir dans cette zone un moment, hein. Je pense que je reviendrai hors vidéo histoire de récupérer parce qu'il y a trois coffres quand même. C'est très intéressant. Bruit suspect, effectivement. Mais c'est bon, je suis vite parti. Et bah, donc, c'est là. Oh, il y a une jolie piscine. Sympathique. De toute façon, il y a des coffres partout dans le monde, hein. Et puis, il y a des zones vraiment où il y a du loot plus intéressant. Oula, par contre, je t'avoue que ça va être un petit peu tendu, hein. Je t'avoue que là... On va s'arrêter ici, je pense, hein. Non, quoique, on peut aller plus loin, tu penses? Ouais, ils vont m'entendre, hein. On va y aller comme ça, gentiment, vraiment. On va essayer de longer sans trop se montrer. Mais est-ce que ce sera possible? Je suis pas serein. Attends. Tranquillement. Attends, on va se planquer là-dedans. Là, on est bien. Voilà. Tu vois, quand les bords de l'écran deviennent sombres, c'est que t'es plutôt bien caché. Oh, une jolie voiture de sport. Non, effectivement, lui nous aurait un petit peu embêté. Waouh, ça va être compliqué, hein. Ouais, on va devoir rentrer dans la salle qui se trouve ici. Je cherche juste la porte d'entrée, s'il vous plaît. C'est par là. Ah, par contre, c'est bien gardé. Oh, tu parles, il n'y a qu'un seul garde. Alors, j'ai hésité à me poser ici, mais je me suis dit, bon, ça va forcément alerter le garde. Ouais, il a peur d'avoir grand monde, hein. Ça va, hein. Allez, je pense qu'on peut y aller sans trop de soucis, hein. Est-ce qu'on peut tuer le sniper qui est juste ici? Je pense que oui. Bon, par contre, j'ai un écran. Je vais avancer, hein. Ça va le faire. La situation n'a pas l'air trop complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a l'air tout à fait faisable. Respire. Ok. Parce qu'il n'y a pas grand monde finalement pour aller jusqu'à la salle de conférence. On va avancer. Attention parce qu'il y a un perso qui était juste là. Il est pas si loin que ça. Mais Osef. Ah, il a peut-être vu le corps, non? Cadavre trouvé, merde. Ok. Ça c'est fait. Cadavre trouvé, ça va les alerter. Ça c'est chiant par contre. C'est pas un soldat ça? Non. Attends. Je suis pas sûr de mon coup là. Lui non, c'est pas un soldat, mais je vois du rouge quand même assez proche. Faut passer à l'étage, non? Il me semble. Je suis pas sûr que ce soit l'étage. Ça a l'air protégé dans le coin. Oh, un petit coffre. Tiens, on va le récupérer tant qu'on y est. Non, il est de l'autre côté. Attends. Il y a un petit i par là. Mais il n'y aurait pas des adversaires? Inquiétant. Allez, on va enquêter tant qu'on y est. Il me semble qu'il y a une porte pour accéder à la salle de conférence. Tiens, un petit bivouac, ça c'est bien. Un petit bivouac. Est-ce que c'est là? Mais pas du tout en fait. Ah si, c'est bon. Ah! Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent derrière en fait. C'est embêtant ça.
Ils sont là, c'est clair. Dodo. Juste pour les prendre. On en est arrivé là ? Calmez-vous. C'est un soldat là-bas aussi. Attends. Ok, par contre, ça arrive derrière moi. Hein. Allez, dépêche-toi. C'est lui, non ? Il me semble. Bonjour. Allez. Je vais pas vous faire de mal. Pitié, non. Ne me faites pas de mal. Aidez-moi, je vous en ferai pas. Je veux pénétrer dans la prison de Herzog. Je suis déjà au bout du rouleau. Dépêche-toi. Herzog va me tuer si je vous aide. Pensez à tous ceux qu'elle a torturés là-dedans. Tous les gens qui bossent pour vous. Vos amis. Vous avez une chance de pouvoir l'arrêter. Très bien, écoutez. Je vais vous dire comment entrer, mais c'est tout. Après ça, vous vous débrouillez. Ben voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous devez d'abord couper le câble optique dans le bâtiment. Tu peux pas te dépêcher. Mais c'est pas vrai, il met 20 ans son dialogue. C'est pas normal. D'habitude, ça met pas autant de temps, les gars. Il est bavard, le gars. Il est super bavard. Je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Allez, cours, cours, cours. Allez, gunfight dans la salle de conférence. Je voulais éviter, mais je me suis dit, il va quand même se bouger pour son dialogue, quoi. Il dure 20 ans, c'est le dialogue le plus long depuis le début du jeu. Tellement abusé, les gars. Ils sont où ? Coucou. Calme-toi. Waouh. Et ils sont partout, hein. C'est vraiment tout rouge pour le coup. Ok. On gère pour l'instant, on gère. Derrière moi, ils me sont derrière moi, ouais. Recharge vite. J'en ai un là-haut. Je vois pas. Derrière moi. Ne tue pas de civil par contre, hein. S'il te plaît. Il m'en reste là. Oh la précision. Incroyable. J'ai failli tuer le civil encore une fois, hein. Et il se bouge pas, le gars. Ok, bon, ça c'est fait, on va devoir rediscuter, mais son dialogue il a duré 20 ans. Et je te jure, j'ai croisé les doigts pour qu'il arrête de parler, quoi, mais il a jamais arrêté de parler. C'est incroyable. Ok, la casquette. Attends, j'avais pas reçu un pistolet aussi ? Si, regarde. Niveau 67. Bien, bien, bien. Ah, c'est terrible, le gars, quoi, il veut pas, hein. Ah, on a également un gilet pas mal niveau 70. Ça commence à être pas mal tout ça. Bah oui. Ah, je suis blessé ? Attends, j'avais pas vu. Vas-y, soigne-toi, mon joli. Soigne-toi un petit coup. S'il te plaît. Il nous reste le petit bonus de vigueur pendant encore 25 minutes. On va en profiter. Ouais, j'ai l'impression que ça ne lague plus effectivement avec le changement de logiciel. J'espère que vous ne ressentez pas trop au début. Et depuis le début de la série du coup, hein, les petits frises, parce que j'avais pas remarqué que ça ralentissait. Bon allez, on va finir le dialogue du coup, hein. Parce que le Saligou, il mettait 20 ans. Vous avez rien à craindre. Pitié, non. Ne me faites pas de mal. Aidez-moi, je vous en ferai pas. Je veux pénétrer dans la prison de Herzog. Je suis déjà au bout du rouleau. Herzog va me tuer si je vous aide. Pensez à tous ceux qu'elle a torturés là-dedans. Tous les gens qui bossent pour vous. Vos amis. Vous avez une chance de pouvoir l'arrêter. Très bien, écoutez. Je vais vous dire comment entrer, mais c'est tout. Après ça, vous vous débrouillez. Ben voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous devez d'abord couper le câble optique dans le bâtiment annexe. Ensuite, créez un identifiant pour passer la sécurité. Il y a un scanner biométrique dans la salle de contrôle. Utilisez-le pour scanner votre main. Après ça, vous devrez pirater l'antenne sur le toit et envoyer ce nouvel identifiant au serveur de la prison. C'est seulement là que vous pourrez entrer dans la prison. Formidable. Merci. Formidable. Eh ben, c'était pas si long, hein. T'aurais pu aller plus vite, hein. Incroyable. Ok, très bien. Plan de sécurité. Mission accomplie. Attends, il y avait des intels ? Ouais. Wow, attends, c'est quoi ça sur la carte ? Oh, avant-poste Blue Viper. Par contre, faut être niveau 100 et plus, hein. C'est un petit peu chaud pour moi. Ok, attends, je vais récupérer le contenu du coffre. Il est où ce coffre ? Il est à l'étage. On va le récupérer. Donc, bah, je pense que j'ai tué tout le monde, du coup, en plus, hein. Épingler, bah tiens, on va épingler ça. On va continuer dans... dans ces eaux-là. Ok, nouvel indice. Passage du câble optique. C'est vrai que j'attends ma fibre, moi. Pour l'instant, que chi, hein.
69. C'est pas un peu mieux? Ah non, j'ai déjà une 69. Putain, je pensais. Ouais, on va le prendre. Je t'ai changé un petit peu. On a une nouvelle veste aussi, hein. Ouais, on passe niveau 68 globalement. Est-ce qu'on a reçu un point de compétence? Je regarde. Ouais, un petit point, mais on va économiser encore pour débloquer un prochain atout. Ce serait pas mal. Photo, ordinateur biométrique. Ouais. Bon. Deux Intel, non lu. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Et celui-là? D'accord, très bien. Eh ben, on y va. Je ne sais pas si c'est loin. Est-ce que c'est dans la même région? C'est dans quelle région, ils m'ont dit? Good Hope Mountain. Ouais. Où est-ce que c'est? Good Hope Mountain. C'est par là. Ah, il y a un bivouac juste à côté en plus. Ah bah, je pense qu'on peut éventuellement s'y téléporter. Bah, tu sais quoi, on va y aller. On va d'ailleurs se revigorer un petit peu, reprendre un bonus qui va durer un peu plus longtemps. Oh, une zone enneigée. C'est ça aussi vraiment qui fait la force de ce breakpoint, c'est que c'est super varié en termes d'environnement. Hein. Et le vent aussi, tu vois, le vent sur les différents éléments, les arbres, etc. Franchement, super bien foutu. Hein. Allez, on va directement se préparer. On va faire quoi ce coup-ci? Résistance aux blessures? Résistance à l'épuisement? Ou allez, on va boire un petit coup. On s'hydrate, bien sûr. Là, par contre, il a pas un peu froid, lui, dans les montagnes, juste avec un t-shirt? Un t-shirt troué, en plus, hein, complètement... complètement usé. Allez, plus 80% pendant 60 minutes. Résistance à l'épuisement. Tactique, donc là, je vous rappelle, on peut choisir sa classe. Je reste pour l'instant en sniper. Fabrication. Non, on a l'air pas trop mal. La boutique, pour l'instant, je prends rien. On va se prendre un petit véhicule. On va se prendre quoi? Un hélico? Allez. Un hélicoptère, c'est toujours plutôt intéressant. On va partir maintenant? Oui, c'est bien. Allez. On ne passe pas le time. Et en fait, la fumée, tu vois, qu'on aperçoit dans le ciel, c'est des bivouacs qu'on peut trouver dans l'open world. Et c'est vrai que dans la première vidéo, j'avais pas calculé ça. J'avais pas compris. Allez. On reprend le contrôle de l'hélico. Et on part en direction de la mission. Il se trouve juste là-bas. Pas trop loin d'ailleurs. On aurait presque pu prendre un véhicule terrestre. Ouais. Ah, il est méchant en plus. Ok. Il se trouve dans le bâtiment annexe, localisé le câble optique, l'ordinateur biométrique. D'accord, donc il y a deux objectifs là. Et attention, il y a des méchants. C'était sûr, une mission annexe à prendre, tiens. Ok, donc déjà j'ai le premier truc. Je pense que c'est le câble optique, ça. Ça peut être l'ordi aussi, remarque. Pourquoi tu ne cibles pas, lui? Ah non, ça va pas rebugger quand même. Attends, j'ai l'impression que ça rebug, là, je peux plus les marquer. Dis-moi pas, je peux plus le marquer. Si je devais choisir entre toi, vous avez vu? Ah, ça y est. Ah, c'est un sniper en plus, faut le tuer maintenant. Hein. Ouais. Faut le tuer maintenant tout de suite, mon grand. Attends, concentre-toi. Ok. De quoi? D'où ils ont entendu? Pourtant j'ai un silencieux. Ah, je suis déçu. Ah, je pensais pas. Waouh! Attends, mais je pensais pas que j'allais l'entendre. J'ai super silencieux pourtant, non? Ah, j'étais peut-être pas assez loin. Ouais. J'étais peut-être pas assez loin. C'est pas faux. Donc, ouais, un peu déçu par rapport à ça quand même. Wow! Ah, ouais. Ah oui! C'est ce qu'on va faire là? Je pense. Oh putain de merde. C'est tellement une mauvaise idée ce qu'on a fait. Attends, nous allons simplement. Est-ce que je peux utiliser mes drones synchro? Ce serait pas trop mal d'envoyer sur eux. Ok, un. Bon. J'aimerais bien par contre que les autres viennent. Deux. Voilà, tu me tues les deux et moi je m'occupe de lui. Du petit dernier. Non, tu veux pas? Bon, finalement c'était une mauvaise idée. Attends, s'il arrive là, on le shoot, hein. Comme ça j'ai mes deux drones synchro qui vont les tuer. Vous êtes prêts? Nice, c'est propre. Ok. Donc les mecs sur le toit, c'est fait. Attention, il me reste des gars par là. Lui, c'est fait. On va les éliminer un par un. Vas-y, viens un peu me voir par là, toi. C'est fait. Ensuite. Il en reste, hein, c'est sûr. Hein. T'es mort.
Il y en a un qui arrive par là. Oh, petit coquin. T'es mort. Ce qui serait bien, c'est qu'on se fasse pas repérer, tu vois. Ce serait le pied. Par contre, le snipe, il est puissant, non? Là, par contre, on a le blindé. Ce qu'on va faire, c'est utiliser perce-blindage pour lui. Attends, j'en ai un par là. On va utiliser perce-blindage. Pour les ennemis qui sont comme ça, qui sont... qui ont une sacrée armure. Ok. Pas trop mal. Ensuite. Je disais donc... Ok. Putain. T'es sérieux toi? Eh bah dis donc. Il était chiant celui-ci. Attends, ça fait combien d'ennemis qu'on tue avec le sniper là? Ça en fait une blinde hein. Ah, je me concentre un petit peu parce que c'est la première fois qu'on réussit à faire un... un petit rush comme ça, sur un point surélevé sans se faire repérer du coup. Attends, il y a un mec là. Pas trop loin, je vois plus personne, c'est un petit peu le souci. Attends, j'envoie le drone. Parce que là, je suis planqué derrière la montagne, mais... je vois plus... Oh! Oh! Oh les enculés. Excusez-moi. Ok. Venez par ici. Venez par là, les gars. Venez par là. Deuxième. Il est passé par là, ce con? Il contourne. Eh oh, salut. Poteau. T'es par là? Ah oui. Silence. Ça dégage. Et pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Alors, je suis déçu d'avoir fait un petit peu du bruit au début parce que ça les a alertés. Du coup, ils se méfient. Mais là, par contre, on fait un joli rush au snipe. Sans déconner, je dégage la zone sans même y aller, quoi. C'est cool. Par contre, le dernier... faut me le cibler. Enfin, le dernier. Les derniers. Ok, je le vois. Il en reste aussi là-bas, apparemment. On va peut-être péter les génératrices aussi. Il y a un moyen comme ça, peut-être qu'il n'y a pas d'alarme ou une histoire comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, le problème, c'est qu'ils sont dans le bâtiment. Il se rapproche, ce con, non? Ouais. Il se rapproche. Attends, je vais faire au snipe. Non, ça va être au pistolet silencieux, ce sera mieux. Oh, le con, il a tiré. Bon, c'est pas grave, il reste plus grand monde. Ouais, je pense qu'il y a moyen, clairement, tu vois, sur ce style de... Oh, salut toi. Ok. Merci de te montrer, c'est gentil. Oh, c'est un sniper en plus. Allez, ça c'est fait. Jolie petite phase au snipe, là. Dommage pour ce petit accro, là. Sinon, tout le reste est plutôt propre. Je sais pas ce que vous en pensez. Je fais un peu de bruit, donc j'espère qu'il n'y en a pas qui vont rappliquer. Attention à la chute! C'est la glissade! Ah, c'est trop bien, ça. Et il me semble qu'il y a une compétence en plus pour mieux s'en sortir par rapport aux chutes. Donc là, il va falloir qu'on monte là-haut. Hein. Il est où le coffre? Il est au-dessus? Ouais, je crois bien qu'il est au-dessus. Ok. Le coffre est le point d'intérêt, le point de la mission. Neutraliser le câble optique. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, fallait y accéder. Hein. Oh, un petit pantalon. 73, bien, plus 10. Pantalon 5 points. Cartes sont intégrées. Je prends ça. Ok. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Faut le neutraliser, du coup. Je tire dessus, au pire. C'est ça, tu penses? Je sais pas. Hein. Saboter. Ah, ok. Le mec qui tire dessus, tu sais. Ok. Le câble optique, ça c'est fait. Attention parce qu'il reste un petit peu de monde, hein. Apparemment. Apparemment, il resterait un petit peu de monde là-bas. Y a pas un petit? Si, y a un petit. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Un bivouac de Misty Ridge. Impeccable. Je veux bien.
J'entends un drone, mais je pense que c'est mon esprit. Hein. Ouais, faudra peut-être péter la génératrice pour éviter tout ce qui est alarme et tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Saboter. Ah bah oui, je suis bête. Ah non, on peut directement faire ça. Voilà. Ah bah d'ailleurs, tu remarques qu'il n'y a plus d'ennemis. Ah, ça devait être des drones alors. Parce que peut-être que ça... Que ça stoppe les drones, non? C'est pas impossible que ce soit ça. En tout cas, je suis assez content de cette phase de jeu. C'était bien cool à jouer. Vraiment. C'est plus agréable quand on réussit à le faire de loin. Parce qu'on a quand même une classe de sniper. C'est plus logique de jouer comme ça. Je vais récupérer les équipements qu'on a eu sur les soldats. Donc on y est. Ok. Et il nous reste du bleu à voir là-bas. Attends. Il me semble que c'était sur le toit. Hein. Le PX4. Allez, bon, on va le prendre. Et on est niveau 70. Côté classe sniper. C'est plutôt good. Ouais, je pense qu'il n'y a plus personne. Je vais récupérer le petit équipement bleu là. Merci beaucoup les bots. Niveau 113, bottes légères. Très très bien. On était niveau 63. Putain, ça augmente vachement là. Ouais, ça augmente vachement. On a de l'équipement bleu. Impeccable. Bleu, c'est meilleur que vert, évidemment. Vous l'avez compris. C'est de l'autre côté. Voilà, on a localisé, c'est bon. Nouvelle bio, il y a de la santé, j'en ai pas besoin, ma gourde est pleine. Allez, on va s'occuper de ça. Créer un nouvel identifiant avec l'ordi. Allez, mon beau, à toi de jouer. Fais-toi plaisir. Ça, c'est fait. Alors, elle est sur le toit du centre de contrôle des désastres naturels. Pirater l'antenne. Ok. C'est juste au-dessus ? Alors, faut trouver l'escalier qui mène jusqu'à l'antenne. Voilà. Par exemple, ça peut être ça. Je dis bien, par exemple. Ah tiens, une mission secondaire à prendre. Je vais voir ce qu'il me dit vite fait. Bonjour à vous. Nouvelle mission, nouveau point de vue. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec les drones ? Pourquoi ils se comportent bizarrement ? Je ne sais pas, c'est une technologie très complexe. Nous avons constaté une activité inhabituelle récemment, mais... Quel genre d'activité? Je connais pas les détails, ça dépasse mes compétences. Notre scientifique en chef, Alvarez Deschamps, c'est son projet, alors il pourrait vous en dire plus. Où je peux trouver Deschamps? Il dirige un projet de recherche dans la partie sud de Wallers Bay, juste un peu à l'ouest de Bay Mud Passage. Merci. Merci. À bientôt peut-être. Merci bien. Donc là c'est une nouvelle mission secondaire. Eh, t'as vu? Regarde. Que je reste bloqué sur lui. Il n'y avait plus de fumée, enfin bref, c'est un peu chelou parfois. Bon, c'est par où? S'il vous plaît. J'ai l'impression de tourner en rond. Attends, peut-être qu'il faut ressortir par l'extérieur. Oh, joli gadget. Je pense que ça m'aurait embêté ça si j'avais... Enfin, je vais récupérer les mules. Ça m'aurait embêté si j'avais pas arrêté la génératrice. Je pense. C'était ça ce qui restait en rouge en fait. C'était pas des ennemis classiques. Très bien. On pirate l'antenne. Grande antenne. Il me faudrait ça pour ma 4G, moi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Protéger l'antenne pendant le piratage. Oh bah non. Ah bah non. Je suis pas d'accord. Venez pas m'embêter. C'est un conseil. J'espère que ça va bien se passer. Faut rester dans la zone. Il y a des intrus dans le périmètre. Ça a l'air d'être bon. Ok, ça débarque. Bon, ils savent que je suis là, du coup maintenant on peut tirer. Hein. Tu vois, c'est les phases où t'es pas obligé d'être discret parce qu'ils savent que t'es là. Donc pas de soucis quoi, tu peux y aller à fond. Ah, faut passer par les escaliers très logiquement, non? Oui! Attention. Du violet! Oulala, c'est la première fois que j'ai un équipement violet, les gars. Je suis totalement hypé! Bah voilà. Attention, un hélicoptère. Oh bah non! C'est pas drôle. Attends, équipement violet, moi je le prends tout de suite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, c'est un peu mieux. On commence vraiment à avoir du bon équipement. Hein. Attends, je vais essayer de tuer le pilote. Oh, wow, des bots UA. Je l'ai eu ou pas? Oh, j'ai tué le pilote, bien joué! Ça, c'est beau! Oui, monsieur! Attends, par contre, tu permets, je prends juste ma nouvelle arme. Hein. Ça peut être intéressant. Plus 7. Les bots. 78. Ah, ça y est, on est bien équipé. Violet. Génial. Je kiffe vraiment le jeu, hein. Dingue. Je suis un peu à découvert, non? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Bon, au pire, là on balance tout quoi. Aïe.
Le temps de rechargement, typique. Entre-toi. Voilà. Easy. Encore une 27, hein. Il faut tenir bon. Bon, le pilote de l'hélicoptère, je l'ai déglingué. Laisse tomber, c'était magnifique. Regardez, on voit que l'arbre a pris de feu, du coup. Par rapport au crash de l'hélicoptère, je suppose. Bon, on a juste à les attendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu passes? Ok. Par contre, il y aura 3 coffres, hein. Faudra les récupérer. Non, je reste planqué ici, ça m'a réussi depuis le début. Par contre, on a l'air nombreux, non? Attends, ce qu'il faudrait mettre éventuellement. Ah, j'ai pas les mines! Ah, je suis deg! J'ai pas les mines! Les mecs, je vous aime bien, mais petite grenade pour vous, cadeau. Zébum! Bah voilà. Faites tes malins, là. Allez. Attention, le temps de toi, le temps de recharger. C'est bien géré, ça. C'est plutôt bien géré, mais oui. La classe. Sniper, 75, c'est moins bon. Allez, plus que 30 secondes à peine. On est bien, franchement, on a quasiment pas été touché. Oh, on a un KSG en bleu. Un petit fusil à pompe des familles. Bon, par contre, ça reste un tout petit peu moins bon que le PDR, qui a l'air d'aller super bien, en plus, avec un petit viseur. Impec, moi, ça me va. Faudra qu'on aille récupérer les 3 coffres, tiens, avant de continuer, vite fait. Ils sont juste à côté. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Champion du monde. Mission accomplie. Eh ben super. Ça c'est fait. Siège en haute montagne. C'est tout bon et c'était vraiment génial. Quelle belle phase de jeu, sans déconner. Nouvelle mission, une grande évasion. On va essayer de faire ça. Parlez à Karl. Il se trouve dans la cabane de pêcheurs. Ok. Donc disais, est-ce qu'on va récupérer les coffres vite fait? Alors, tu penses que je me fais mal là si je descends? Je pense pas vu qu'il y a un truc en dessous. Ah si, un petit peu, ça m'enlève quasiment une vie. C'est pas cool ça. Allez, attends, je prends les coffres quand même, parce qu'il y avait de beaux équipements ici en tout cas. On a tué des ennemis, on a récupéré même un équipement violet, de jolies bottes. Ça peut être quand même intéressant. Pardon monsieur le bidon. Ouvre-moi ça. Ah là vraiment, on commence à prendre du plaisir avec le jeu. Dès qu'on arrive en fait à avoir une jolie phase de jeu. Ah bien, je pourrais prendre le KSG. Par contre ça, à utiliser vraiment à courte portée, hein. Forcément, hein. Ah, on peut prendre celui-ci. Ouais, on peut prendre celui-ci. Toujours garder sa classe sniper, bien sûr. Regardez. C'est le nouveau sport. Le bidon ball. Hop, dernier coffre. Ok, une moissonneuse batteuse. Niveau 81. Ah, c'est dommage que j'aime pas ce style d'arme, hein. Parce que sinon je l'aurais utilisé, hein. C'est con. Allez, parle-lui. Arrêtez ça à la fin. Un petit bivouac, un bivouac de Silent Valley, merci bien. Vous sauriez le trouver? Oh, mais oui, je sais où vous trouverez ça. Je vous remercie. Mais oui, tu sais où trouver ça? Impeccable. Allez, on va prendre l'hélicoptère. On en profite, hein, qu'il y en a un juste là. Il y en a même un autre. Pas très loin. Ça, c'est bien pratique. Alors, est-ce que c'est... Non, c'est juste à côté en plus, hein. Très très bien. Eh bah, allez, on y va. Ah, ce qu'il y a bien, c'est que les missions s'enchaînent, là. Les missions de Karl. Impeccable. Toujours dans la région de Good Up Mountain. On n'est pas obligé de faire une coupure à chaque fois, quoi. Ça, c'est plutôt appréciable, n'est-ce pas? Donc on va la retrouver dans la cabane du pêcheur, comme dirait Gabriel. Ça me fait toujours rire parce que ça me fait penser à ça direct. Est-ce qu'on ne sauterait pas? Parce que c'est qu'on peut sauter en parachute, on l'a encore jamais fait. J'ai bien envie de tester. Vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1... Et c'est parti, le saut en parachute qui n'a pas changé depuis Wildlands apparemment. La chute libre. On se croit dans Just Cause. Bon attention par contre parce que... On va peut-être déployer le parachute bientôt. Allez hop, parachute. Je sais pas combien de temps ça met pour le déploiement. Parce que vu que ce breakpoint est un peu plus simulation si j'ose dire. Bon, sauf la conduite, hein, ça c'est vrai que c'est pas très simu. Mais tout le reste c'est vrai que c'est... Ça a été beaucoup amélioré côté réalisme. Ok, bien joué. Donc je me posais la question si ça ne mettait pas plus longtemps pour le déploiement du parachute, mais finalement ça va. Non, faut le rejoindre de l'autre côté, je pensais qu'il fallait rentrer. Ah bah, en fait, fallait prendre cette porte. Ok. J'ai l'empreinte et les codes du sergent Kent. Vous êtes prêts? Oh merde! Karl, je peux pas y arriver sans vous. Faites-le pour vos amis. Ouais. Ouais, d'accord. Je vais trouver un moyen de transport. Vos amis et moi, on se rejoint devant la prison, et... Karl. Oui. Ça va aller.
En tout cas, je suis bien content d'être passé sur mon autre logiciel parce que je regarde, on descend pas en dessous de 83-84 images secondes. Donc, il n'y a pas de souci pour vous sur YouTube, ce sera fluide. Alors, ouvrez la porte de l'abri. 600 mètres, ouais, c'est pas loin. On va récupérer un petit véhicule terrestre comme celui-ci par exemple. Ou l'autre, non? C'est lequel le plus rapide? Ah, celui-ci, il est plus sexy, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va prendre celui-là. Allez. Par contre, à mon avis, ça va pas être très rapide hein, comme véhicule. Hein. Ouais, ça a l'air même très lent. Est-ce qu'on peut passer par... Ah mais non, mais c'est juste là. Ah bah oui, on passe par la route. Tranquille. Tranquille, bébé. Comme ça, au moins, on a une petite mitrailleuse, hein, si besoin. Sur le toit. Évidemment. C'est protégé, là, non? Oh, merde. Oh là. Ah mais oui, mais on connaît cet endroit en plus. Attends, vas-y, descends vite avant qu'on te repère avec le bruit de ta carriole, là. Ouvrez la porte de l'abri. On va essayer de contourner, parce que si on passe par l'entrée, on va se faire dessouder direct, hein, c'est sûr. Mais bien sûr. Oh là là, ça va être terrible. Donc, de toute façon, là, il faut rentrer, hein, ce coup-ci. C'est le bâtiment qu'on avait vu l'autre fois, on s'était dit, faut pas y aller. Là, il y avait le chantier, ouais, c'était bien ça. Oh là là. Bon, attends. On va rester ici, je vais envoyer mon drone. On va analyser tout ça. Oh, faut rentrer ici. Mon dieu. Faut juste aller jusqu'au panneau en fait. C'est ça le délire. Putain, on dirait un truc de banque, la carte bleue. Oh non, tout va l'automatiser. Va falloir la. Oh, il y a des robots partout. Ça va être la galère, les gars. Ça va être la galère. Ouais, vraiment, ça va être la grosse galère ici. Je le sais. Je me connais. Il y a des robots partout. Et une grosse défense. Hein. Oh là là. En fait, ce qui. Oh, mais attends, il y a la génératrice. Qui dessert. Attends. Qui dessert toutes les structures électriques alentour. Donc ça les activera les drones. On est d'accord. Donc faut absolument commencer par ça. Donc moi je suis plus pour s'infiltrer. Essayer de désactiver la génératrice. Tu penses qu'on peut la péter? Je pense qu'on est obligé de la désactiver en fait. Bah ça va être galère hein. Franchement. Me connaissant hein, je vous le dis. Me connaissant, je vois pas comment je vais pouvoir rentrer sans me faire repérer. Bon. La génératrice est par là. Est-ce qu'on peut passer le mur? Ah! Oh merde. C'est énorme! Directement, je me fais repérer sans aller plus loin. T'es pas sérieux? Appelle. Oh! Mais guys! Guys! Vite! Vite, tue-le lui. C'est lui qui appelle les renforts. Je peux pas le tuer. Je peux pas le tuer. Je suis deg. C'est mort. C'est mort, on va se tirer. Toi, tu vas te taire. Oh merde, c'est pas possible. Je le sens mal, les gars. Par contre, le KSG, j'a... Waouh! Le KSG, c'est pas trop ça avec un drone. Et en plus, ça bouge tout le temps. Par contre, en un coup, c'est pas trop mal. Allez, renfort qui arrive. Attends. Grenade. Prenez ça, les gars. Là, ça va faire péter le véhicule. Bien joué. C'est au moins ça d'économiser, j'ai envie de te dire. Ok. On est mal. On est très mal. Je dirais même plus on est mort. Vas-y, prends le KSG. Putain. Ça dégage. Merci, au revoir. C'est un truc de ouf. Hein. Bon, pour l'instant, ça va, on maîtrise. Hein. Enfin, on maîtrise, mais c'est Rambo, quoi, le machin. Juste au-dessus, t'as eu de la chance, mon gars. Vraiment eu de la chance, moi je te le dis. Vas-y, montre-toi. Les fils de chien. Ils sont trop nombreux, quoi. Fallait pas y aller comme ça. Je suis dégoûté. Je voulais y aller. Sam Fisher, j'y vais en Rambo. Mais. Ah putain, t'as vu, ils se recachent à chaque fois. Oh là là. What? Je suis blessé. Pas cool. Soigne-toi, gros. Sonne-toi vite. J'espère que ça ne va me rush. Mais là, je sais pas comment on va faire. Hein. Franchement, je vous dis, je pense qu'on devrait recommencer et y aller tranquillement, quoi. Ah, le truc, c'est qu'on est seul, en fait. C'est pas comme dans Wildlands, où on avait une équipe complète. C'est toujours pareil, quoi. Dans Wildlands, c'était bien différent. Allez. De la chance. T'as de la chance, gros.
pas vrai. Bon. Compliqué. Lui là-haut. Mais il est planqué aussi, le truc. Ils sont tous planqués, c'est vraiment des rats. Bon, je pense qu'on va avancer, hein. On a pas trop de choix, là. On avance. C'est parti, je suis suicidaire. Parce que là, à un moment, faut arrêter les conneries, hein, les gars. Attention, par contre, aux tourelles et tutti quanti, hein. Faudrait désactiver tout ce qui est électrique. Ah! Ce serait une bonne chose. On avance. C'est bien. T'es mort. Merci, au revoir. Attention. C'est une mauvaise idée de prendre le... Prendre le pompe, là, je pense. On va repasser sur celui d'avant. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que là, il faut que je puisse allumer beaucoup d'ennemis en même temps. De préférence. Des ennemis en dessous aussi. Alors attends. Ils s'en foutent. Mais je l'ai touché. J'ai pas compris, il tirait pas. J'ai pas compris. Ok. Il y a un hélicoptère qui arrive. C'est pas vrai. C'est l'enfer. T'es mort. Vas-y, venez par ici les mecs. Oui. T'as raison. Viens là. De toute façon, ils savent où je suis, donc maintenant, il faut y aller, hein. C'est con, on a fait un bull rush au sniper. Et là, c'est super moche. Je pensais que ça allait le faire. Ah, attends. Sors de là. Quoi? J'étais dessus. Un peu dessus. Ça va, je suis dessus. Là. Non, à gauche. Contre toi. Je suis là, oh. Est-ce que tu me vois? Je suis en plein milieu. Bon, moi je te vois. Ok. Ça le fait, bah finalement je pense qu'on va réussir à tous les tuer, mais on y allait vraiment en douceur, quoi. Ok, bon. C'est pas ce que je voulais faire, mais le sniper, il... En fait, il recharge à chaque fois, c'est chiant. Alors attends, est-ce qu'on peut se défaire les mecs sur le côté là? Je regarde un petit peu ce qui se passe là-bas. Ok. Tuer le pilote, c'est une bonne idée, non? Ok. Ah, le mec qui... Waouh! C'est quoi cette angoisse? Effectivement, il y a quelqu'un qui me tire dessus de là-bas, mais j'ai jamais compris qui c'était. C'est fou ça. Attends, je me ferais bien aussi le mec qui a donné l'alarme là. Ah, mais il est un petit peu isolé. Ah! Putain, je m'en fais attention. On va se le faire. J'arrive, mon pote. Tu vas souffrir. J'espère que t'es au courant que tu vas souffrir. Un ou deux. Chien de la casse. Voilà. Bon, il a pas trop souffert, je pense. Finalement, bien réfléchi. Ah, d'accord, il veut prendre l'hélicoptère, donc. Oula. Ils sont nombreux dans le coin, ils sont nombreux dans le coin. Wow. Il y a un drone, non, je crois. Hein. C'est ultra bourrin, du coup, hein. C'est vrai que c'est pas comme ça qu'on veut jouer à Ghost. Je suis d'accord avec vous finalement. Ah, le drone, je le vois pas. J'entends, hein, mais je le vois pas. Il est au-dessus. Wow. Putain, mais je l'ai. C'est fou. Là. Je suis blessé, hein. Attends, je vais prendre ça. Tu le vite. Annule, putain. Tue-le. Mais... Oh. Qu'est-ce que c'est long de la feuille, mon gars. Enfin, plutôt dur de la feuille. C'est fou. Ok. Il est derrière, lui. Bon, je fonce. Je rush, les gars. Entre deux murs. C'est horrible. Franchement,
Je savais, ils sont tellement nombreux. T'es sûr que ça allait être la grosse galère. Ok, c'est une mitrailleuse. Là, attention, parce que ça peut mettre fin à notre existence. Moi, je te le dis. Oh là là. Le drone, bon, il est où ce foutu d'eau? Il est là. Putain, tu m'as saoulé, toi. Je me stresse depuis tout à l'heure. Terrible. Y'a pas des petites bières là-dedans? Ah non, c'est des jus de fruits, je crois. Bon, ok, maintenant, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait pas mal. Tiens, y'a pas une caisse d'armement là, un truc? Non, ça doit être là-haut. Ouais, c'est là-haut. Est-ce que ce serait pas possible? Ah, c'est fermé, dommage. De désactiver la génératrice. Ok, attention. Mitrailleuse. Oh merde, je prends des risques là. Attends. Je vais utiliser mon snipe, le perce-blindage. Attends, par contre, j'ai quelqu'un par là, non? Mais what? Comment elle fait? Attends, perce-blindage. Logiquement, ça devrait le faire sur la mitrailleuse. Voilà. Super. Ça, c'est bien géré. Reste un petit point rouge. C'est un drone, je crois. Ouais, c'est un drone. Ferme-la, merci. Bon, bah voilà, la voie est dégagée. Ce fut délicat. Ce fut compliqué. Mais on a fini par vaincre. 80. Par contre, c'est pas violet. Moins 2% de recharge technique, plus 4% d'occultation des drones. Ouais, bon, on va rester là-dessus quand même. Même si ça fait 2 de moins. Je sais pas, vous me conseillez quoi, de passer sur quelque chose de... De bleu, mais de... Ah, oh, ce pantalon. Vous n'aviez pas trop aimé ce style de pantalon, il me semble. C'était pas trop votre kiff, hein, dans mes souvenirs. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de mieux, là? Prendre le KSG. Mais ce pantalon, c'est quand même... Alors, c'est pas très stylé, effectivement. Mais je vous rappelle qu'on est sur un jeu de type militaire. Apparemment, il y a du monde dedans. Mais les gars, moi, je vous vois rien du tout, hein. Ah, je pense que je vais ouvrir la porte, ça va être la fête du slip. Ah, je le sens. Attends, finalement, on va revenir sur... Oui, oui. Non, non, on va assurer. On va revenir sur ça. Hein? Voir même, là, s'il y a plein d'ennemis qui déboîtent. Oh, bah tiens. Oh, bah tiens. On va prendre ça. On va prendre ça, je pense. Plus 5 à la MG, hein. Mais bon, je préfère prendre ça, quand même. Je pense que ça m'ira mieux. On va voir comment ça vise. Ouais, bien. À l'ancienne. Bah écoute, on ouvre, mais je sens qu'ils vont tous débouler, hein. Et moi je te dis grenade. Moi je te dis grenade. Oh là là. Je crains le pire. Non. J'entends du bruit, hein, pourtant. Pourtant j'entends. Ça fait peur. Y'a quelqu'un? Contact. Ok, on est dans l'abri. Là, ça va être la fête. Dans la zone administrative à l'étage du bâtiment. Ok, faut monter à l'étage. Oh, il doit être ici en haut. C'est sûr. Oh mon dieu, ça va être l'horreur. Mais là, tu vois, c'est forcément action. On peut pas y aller à infiltration. Bah, Sir Maxi, si on. Si de base, on ne s'est pas fait entendre. Mais le truc, c'est que ça a pas été le cas, quoi. Oh! D'accord, l'arme est un peu spéco. Allié au tapis! Ok. Génial cette arme! Montrez-vous! Bien joué. Cette arme est géniale. Sans déconner. Par contre, j'aurais dû désactiver le truc électrique, hein. Ça aurait été bien. Attends, il y a la caisse d'armement, on va contourner pour la prendre. Elle est terrible cette arme. J'adore. Des ennemis. Contact 17. Alors attends. Merde, je pensais que c'était là. Ouais, qu'est-ce qu'on a par là? Ah non, c'est un peu plus loin. Autant pour moi. On va aller le chercher, hein. Bon, là, il y a déjà le truc de la mission. Allez, pirate-moi ça. Encore une fois, je suppose qu'il y a des ennemis qui vont nous venir dessus, non? Interagissez avec le PC pour libérer les programmeurs. Yes, c'est le but. Il m'a traité de bâtard. Il m'a traité de bâtard. Alors d'abord, tu me laisses ouvrir mon coffre, ok? Merci.
Rejoignez les cellules au sous-sol pour libérer les programmeurs. Attention, il y aura quelqu'un derrière la porte. Non ? Apparemment, il y a quelqu'un dans le coin, mais ils sont peut-être... soit en haut, soit en dessous. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, il faut que je descende. Les programmeurs, donc c'est les petits points verts. Hein. Je suppose. On descend par là. Ça va chier. Tu peux en être sûr. Ah ouais, c'est en dessous. Coucou. C'est par là. Ouais, d'accord. Ils sont avec moi. Je m'appelle Nomad. Je viens vous secourir. Attends, on va s'évader ? Ouais, Carl Chisholm nous attend dehors. Il va tous vous emmener dans un lieu sûr. Carl ? Carl est ici ? Oui. Allez, venez. Ah, une petite ration endurance. C'est vrai que je pourrais utiliser ça, hein, j'utilise jamais. Attention. Guerre de faction. Ouais, donc, c'est des alliés, hein, les points verts. C'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars, là ? Escorter les programmeurs jusqu'à Carl. Ah, il est loin, Carl, par contre. Bon, les gars. Comment vous dire ? On va essayer de trouver la sortie, hein. Bon, on y est. Oh là, mais c'est vraiment des boulets, hein. Et ils mettent 20 ans, hein, pour me suivre, hein. Oh mon dieu. Attends, il y a un petit derrière. Toujours important, bien sûr. C'est bon, on les a escortés, impeccable. Le petit bivouac, s'il vous plaît. Merci. Commencez pas, ok ? Faut juste parler à Carl, maintenant. Et ce sera bon. Maliez-vous. Allez. Carl, c'est vraiment toi ? Oui. Mais venez. J'aurais jamais cru être heureuse de voir ta sale gueule. Vite, il faut qu'on parte. Sympathique. Alors, utilisez le véhicule pour escorter. Oui. Je prends le contrôle ? Non, ou je passe à la mitrailleuse plutôt. Artilleur, bah très bien. C'est bon ça. Je pense que c'est Carl qui va conduire. Suivez, protégez Carl et les programmeurs. Allez, c'est parti ! C'est un ferme, non ? Bon bah simple, ouvrez le feu, RT. C'est pas compliqué hein, comme gameplay là pour le coup. La vidéo sera très longue hein. Je ferai un max de coupures histoire que de la réduire un petit peu. Parce que bon, il y a des passages qui sont un peu chiants hein. Je laisse vraiment que le meilleur hein, pour info de l'aventure. Mais la mission est longue hein, quand même. Attention, mais encore c'est pas fini les amis. On va avoir des hommes dangereux. Salut. J'aurais dû commencer à tirer avant d'ailleurs. Je suis un peu bête. Vous avez vu avant mais... Alors est-ce qu'elle peut être en surchauffe la mitrailleuse ? Ah oui d'accord. Un hélico. Vous avez gros mais... Je suis armé là. Hein. Je suis à l'artillerie lourde. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait. Toujours la classe. Il me semble qu'il y a une voiture qui nous suit derrière. Yes, attends qu'elle se rapproche un petit peu. Là, pour l'instant, ça ne sert absolument à rien. Ça manque un petit peu de push, de pêche, je trouve, cette phase de shoot là. T'as le bruit, on se croirait sur un Call of Duty, le bruit des hit markers, tu sais. Bon. On va reposer la mitrailleuse un petit peu, de toute façon, ils n'arriveront pas jusqu'à nous. Bah voilà, tout va bien. Tranquille. Sur la route, toute la journée. Voiture derrière, attention. Ah, ça va nous suivre. Forcément. Ça aurait été trop beau sinon. Trop facile. Ah, par contre, tu remarques que ça manque d'ambiance musicale hein, dans le jeu. Bon, au moins, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de problème avec les copyrights. C'est l'avantage pour les youtubeurs. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'Ubisoft, vous le remarquez, hein, met des options même dans les jeux dans Far Cry New Dawn. Par exemple, le dernier Far Cry, il y avait l'option pour remplacer en fait les musiques copyrightées par des musiques bah, qui... non copyright. C'est vrai que pour les youtubeurs et les streamers c'est parfait et merci à Ubisoft bien sûr de penser aux créateurs, c'est toujours très cool. Bon bah pas compliqué hein, cette phase de shoot pour l'instant. Il n'y a vraiment aucun souci. Pas trop de challenge. Un nouvel hélicoptère par contre. Hein. Oula. Il suffit de le dire pour qu'on se fasse mitrailler. Là je me rappelle de tout à l'heure que j'ai tué le pilote là. Là c'est bon, on vient de le toucher. J'ai tué le pilote avec mon snipe, franchement j'ai kiffé. Je pense que c'était la meilleure séquence avec le snipe hein, qu'on ait fait depuis le début du jeu. Hein. Tout à l'heure, zone d'assaut Amon, arène de drone découverte. Ouais, on découvre la map au fur et à mesure.
Bon, le trajet est un petit peu long par contre. Hein, on va pas se mentir. La mission, c'est une grande évasion. Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'était assez chaud, hein. Je suis un peu déçu de pas avoir réussi à m'y infiltrer. Dans le bâtiment de tout à l'heure, mais... c'était compliqué en même temps. C'est peu. Je vais exploser leur véhicule direct. Allez! Ça rigole plus! Voilà, c'est tout. C'est quoi ça? Je sais pas ce qu'il m'a repéré par contre là. Je sais pas trop ce qu'il m'a repéré. Il y a une voiture droit devant par contre. Salut! Coucou! Oula! Nombreux par contre là. Tant qu'ils ont pas de lance-roue. Ça va? Ah, ça va se corser là, je pense. C'est peut-être pour nous habituer au début, à mon avis. Le véhicule est presque détruit, ah merde! Échec de la mission, le véhicule est détruit. Oh bah non! Oh bah non! On va crever, hein! Au pire, je meurs, hein, comme ça on recommence. Mais comment ça, le véhicule est presque détruit? Bah ouais, mais Allez, on retente la mission, et cette fois-ci, vous le voyez, je suis en coopération avec une personne totalement inconnue, mais qui apparemment galère aussi sur cette foutue mission, quoi. Donc, bon, j'espère qu'à deux, ça ira un peu mieux, hein. Espérons. Écrase-les, si tu veux bien. Écrase-les, merci. Ouais, bien. C'est pour bientôt. Le véhicule, hein, se fait péter. Ah, mais c'est le drone qui fait ça, ok. De renfort. Attention, ma voiture n'est pas cassée. Est-ce qu'elle fume? Je ne sais pas. Le véhicule est presque détruit. Ouais, c'est ce qui me semblait. Alors, non, c'est juste que c'est hyper chaud, alors. Bon, déjà, on n'est jamais allé aussi loin. Déjà. Ça, c'est la folie, quoi. Ah. Eh ouais, la voiture est quasiment morte, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, en coopération, déjà, on va un peu plus loin. Ça veut pas dire que c'est gagné, loin de là. Fais pas de bruit, fais pas de bruit. Finalement, hein. Ok. J'ai la voiture avec moi. Regarde devant. Là, si seulement on pouvait y arriver, les gars, ce serait génial. Si seulement. Je sais pas pourquoi je le sens pas, mais ça serait vachement bien qu'on réussisse la mission, quoi. Suivez. Ah ouais, protéger Carl et les programmeurs. Là, j'espère qu'on a sauvegardé. On a réussi? De quoi? Échec de la mission? Carl s'est fait tuer. Et pourquoi? Non, il y a un bug. Non, il y a un bug, c'est obligé. Ah, mais d'accord, oui, on reprend de là, super. Ah, je suis content, donc on a réussi le passage. Ah, c'est excellent. Enfin, on a réussi, les amis, je suis totalement refait. Bon, mon pote, je t'aime bien, mais... voilà, quoi. Allez, fais tout péter. On va les tous les tuer. Putain, enfin, on est passé. Ça fait ultra plaisir. Franchement. Ah, le gars. Voilà, le gros costaud. Dommage, ça va passer bien loin. De toute façon, qu'il y a un lock sur le perso. C'est marrant, ça. Ok, attention des hélicos derrière. On prend l'autre arme. Attention, hélico derrière, on va accélérer. Vite prendre ça. Par contre, je vais me soigner vite fait. Allez, petite picouse, s'il te plaît. Voilà, petite picouse. Faut faire quoi maintenant? Attends. Éliminer Itza Herzog. Ok. Oh là. Coucou. Attends, snipeuse. Trop envie, là. Wow, 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 wow. D'accord. Ça rigole pas. Attends, change d'arme, vite. Faut la faire péter. Voilà, super. Là, elle est morte. Normalement. Ah, ouh, ça rassure. Parlez à Carl. Eh ben, nom de Dieu, c'était quelque chose, hein. Allez. J'ai du mal à croire qu'elle est morte. Ne dites pas qu'elle va vous manquer. Non. Non, ça j'en doute. Ita Jace. Le backdoor de ce programme va rester ouvert. Ça va aller pour vous? Je l'espère. On était en contact avec le centre de recherche de Wallers Bay.
Ils pourront nous aider, au moins à rebondir. C'est là qu'on va aller. Mais il reste Rosebud, la soldate. Ouais, je l'ai rencontrée. Selon les rumeurs, Herzog laissait Rosebud traquer les prisonniers évadés. C'était officieux, mais bien réel. Je suis quasiment sûr qu'elle va s'en prendre à nous. Je vais essayer de me renseigner sur Rosebud. Pour l'instant, faites ce que vous pouvez. Bon courage. Ouais. Je vais vérifier qu'on a fait sortir tout le monde et on va prendre la route. Bonne chance à vous. Eh ben dis donc, c'était chaud. Vraiment, c'était ultra chaud et je remercie vraiment la personne qui m'a rejoint. Je remercie DangerK999 parce que comme moi, il voulait faire la mission. Merci mon gars parce que j'étais mal les amis. Sur ce les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On va parler à Skell donc la prochaine fois à Erewhon. On retournera là-bas même s'il me semble qu'il nous reste d'autres missions sur la carte qu'on avait débloquées. Voilà, mission à New Stirling. Effectivement, trouver la maison de Madeira, nouveau perso. Ici donc c'est pour revenir au QG à Erewhon, ouais exactement. Et on a deux autres missions dans déjà deux autres régions. Bref, on a de quoi faire les amis, rassurez-vous. Est-ce qu'on a maintenant le pourcentage? J'ai des points de compétence hein, il me semble, hein. Ouais, on a récupéré 3 points de compétence. Est-ce qu'on a maintenant le bon pourcentage au niveau de la progression? Attends, eh ben non, 0% progression du scénario alors que j'ai 9 heures de jeu, incroyable. 24 minutes de coop du coup. Une grande évasion, mission accomplie. Ah bah quand même, ça arrivait tard. Ah ouais, ça arrivait super tard. Eh ben je suis content. Proposition de mission, c'est de jouer la mission. Alors, je refuse, je t'aime bien. Vraiment, je t'aime bien, mais là, il faut que je m'arrête. Danger, merci à toi pour ta participation. Tu resteras gravé dans la mémoire des Galaxiens, surtout la mienne, pour avoir m'avoir secouru pendant cette mission. Merci à toi. Bref, on s'arrête là, les amis. Merci à tous. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Très, très bientôt. Et non, je ne veux pas rejoindre la cinématique, mais merci quand même. Allez, merci tout le monde. Vive les jeux vidéo. Et à très bientôt. Salut tout le monde.